Allez, on continue et on reprend là où on s'était arrêté. Du coup, aujourd'hui, programme anniversaire d'Eliott. Voilà. On file sur les îles Gingembre. Et. Bah écoutez, on va continuer d'essayer de récupérer des noix dorées. On va peut-être retourner dans le volcan. Et puis voir un petit peu. Bah, on a pas mal de graines aussi à planter. Donc, on va s'occuper de tout ça. Bonjour Léa. Merde, j'ai pas de cadeau sur moi à t'offrir. Je vais pas t'offrir une noix de coco parce que j'en avoir besoin. Tiens. Oh non, c'est pas en or. Ah voilà. Tiens, c'est un très beau cadeau. Ah mais de rien. Je suis ravi. Le riz au lait d'Evelyne. Ok, Emily qui nous envoie un oursin. Chercher à comprendre. Tac, donc l'oursin, on s'en fout. Hop. Par contre, si je vais m'occuper de mes animaux, je vais dégager tout ça parce que ça va me gonfler d'avoir tout ça dans mon inventaire. Hop. Allez, on va s'occuper de nos animaux. C'est vrai qu'on avait laissé, on avait laissé tout le monde enfermé à l'intérieur pour qu'on puisse. Maximiser un petit peu notre amitié, ou plutôt le bonheur avec les animaux qui n'étaient pas très contents pour le moment. Notamment les moutons, les cochons, enfin certains des cochons. Et puis des. Pourquoi j'oublie tout le temps le nom qu'elles ont, les poules. J'allais dire les poules du diable, mais c'est pas ça le nom. Les. Comment c'est? Attendez, pourquoi j'ai plus le nom qui me revient? Les. Mayonnaise du vide. Ah, ils ont un nom, je m'en souviens plus. Bref. Ah, il y avait une truffe ici. Alors, du coup, le lait. Ah merde, du coup, j'ai transformé les œufs alors qu'il fallait que je garde du lait. Du lait et des œufs. Je vais garder du lait et puis je vais en mettre. À la limite, je vais garder le lait qui est pas. Bon, après, le lait qui soit en bonne qualité ou pas, on s'en fout. Bon, vas-y. Tant pis. Se faire de l'argent, on n'est pas là pour faire les recettes en priorité. Allez, mais casse-toi la vache! Vous avez vu que vous pouviez aller brouter l'herbe en dessous là, c'est de la bonne herbe, c'est de la bonne herbe bleue là, allez-y. Bon, par contre, du coup, les truffes, comme j'ai dit, on va peut-être être vite en rupture, mais tant mieux. Vu qu'on avait refait quelques machines, ok, j'ai plus rien, c'est bien, c'est une bonne chose. Bon, nos poulets là. Les poulets du. C'est pas les poulets du vide, si? Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave. Vous voyez de quoi je parle, c'est le principal. Ah! Plein de laine! Faut continuer de récupérer les biscuits dorés aussi, nous. Bon, vous voulez pas aller brouter l'herbe qui est en dessous là? Arrêtez de faire du bruit. Voilà. Après, j'ai. Ah, il y a peut-être besoin de fromage aussi pour les recettes, je me souviens plus. Je vais vendre tout ça. On reprend nos affaires. Il n'y a aucun risque que je vende autre chose que les produits provenant des animaux. On n'avait que ça dans notre inventaire. Du coup, hop. On a un cadeau pour Elliot. Est-ce que ça suffira? Je sais plus comment on était avec Elliot. Je crois qu'on n'était pas trop mal. Ouais, ça devrait suffire la pâte en iridium. Par contre, maintenant, il faudrait qu'on en récupère des pâtes de lapin. Plutôt cool.
Monsieur le maire, on va éviter de fouiller la poubelle. Allez, très cher Elliot. Tiens. Et voilà, du coup, normalement, il est où? Il est là. Voilà, on est à fond. Parfait. Merci Elliot. Allez, maintenant les deux prochains jours, on a dit, sur les îles Gingembre, on n'y bouge pas. On y reste. On a besoin de d'avancer un petit peu. Parce que là, effectivement, cet endroit, enfin, notre ferme principale, c'est ça qui est intéressant pour nous, parce que c'est là qu'on peut se faire beaucoup d'argent. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on avance ici aussi. Je vais juste liquider tout ça. En fait, j'aimerais bien débloquer assez rapidement les quêtes de Mister Key là. Parce que du coup, il faudra qu'on les fasse. Donc, j'ai envie de dire, plus vite on s'y attardera, mieux ce sera. Ah merde, du coup. Ah ouais. Si on sera bien ici. Mais après, est-ce que les oiseaux peuvent venir bouffer sur les îles Gingembre? J'ai pas le souvenir. Tac. N'importe comment. Je vais déjà juste dégager tout ça. Les citrouilles. Et du coup, ouais, j'ai quelques graines ici. J'aurais peut-être un peu trop de place, mais c'est pas grave. Partout. Ah non merde, j'ai foutu ça sur le... Bon, c'est pas grave. J'ai foutu ça sur le piment. C'est pas grave. Voilà, j'ai mis ça sur des endroits, sur des sols où il n'y a rien, donc c'est pas mieux. Ananas. Et de toute façon, je crois que j'ai rien d'autre à implanter. Donc, je vais reprendre ça sur moi, comme on va aller dans la caverne. Je vais prendre les noix de coco aussi. Où est-ce qu'elles sont? Là. Ok. Du coup, je vais déposer canne à pêche. Bon, ça, je peux déposer. La hache, la faux. Ça, vas-y, on s'en fout aussi. Et arrosoir, tout le reste, normalement, on a besoin. Ok. Peut-être quand même organiser un peu mieux. Bouffe. Voilà. Ok. Allez, let's go. Du coup, on va prendre notre petit boost de vitesse. Pourquoi tu les sépares pas plus? Les arroseurs normal. Je vois pas ce que tu voulais dire du coup même avant. Tu les sépares pas plus de quoi les cultures? Séparer les cultures ou séparer les épouvantails? Je sais pas. Notre coco doré. Ok, on a récupéré 5. Ton astuce avec la poupée étrange dans la mine. Alors, la poupée étrange. Tu... Si t'es sur la 1.6, hein, mais je crois que oui, il me semblait que t'étais sur PC.
Tu la jettes dans l'étage 100 de la mine, là où il y a le lac doré. Doré, le lac de lave. Donc, étage 100 de la mine, tu jettes ta poupée, tu vas récupérer une pierre précieuse. Ensuite, tu vas dans l'arrière. Enfin, dans le sous-sol du sorcier, je sais pas si tu te souviens, où il y a la quête. Et du coup, à côté de l'endroit. Comment expliquer? Je sais plus ce que c'est le. T'as une espèce d'hôtel avec une tête. Pas une tête de mort, mais c'est une tête un peu bizarre. Et en fait, à côté, t'as un endroit où tu peux placer cette pierre et tu récupères la l'épée arc-en-ciel, je crois. C'était pas clair du tout, mais j'espère que t'as compris. Bon, une no coco dorée de plus, très bien. Encore une? Bah, très bien. Et j'ai encore une fois pas pris mon. Y en a à récupérer ou pas là? Ah, attendez. Allez! Oh merde. Là! C'est un endroit que je ne sais plus. Dès que tu as terminé le centre communautaire, au nord de la map, normalement tu as la quête du sorcier, donc là où il y a les thermes, où il y a le spa, je sais pas comment t'appelles ça. Vraiment tout en haut, au nord, t'as la zone où tu vas dans le repaire de la sorcière. Ensuite, tu avances avec. Bah, tu dégages le gobelin avec la mayonnaise du vide. Et ensuite, tu peux accéder, mais après, tu peux retrouver par toi-même. T'as le premier, alors, t'as le premier endroit où t'as les trois hôtels où c'est. Comment? Tu fais disparaître tes enfants, tu fais. C'est quoi les deux autres? Je crois que tu fais en sorte de divorcer avec ta femme. Et encore après, quand tu prends le téléporteur, juste avant l'échelle pour remonter chez le sorcier, t'as un endroit en fait où t'as un hôtel pas beau sur la gauche. Et à droite, il faut poser la pierre. Encore une fois, c'est de moins en moins clair ce que je raconte. Mais c'est pas évident à expliquer. Bon, ça, on s'en fout. Allez, let's go! Il y a ici l'affreux. Allez, on trace. Effectivement, c'est très compliqué. Ouais, je suis désolé, c'est très confus. Boîte mystère dorée plus une note. Ok, donc ça, je crois que c'est pour récupérer une perle. Ah merde, attendez. Je vais prendre mon boost de chance aussi. Je pourrais utiliser aussi le. C'est par là qu'il faut aller. Ah! On mène dans le dragon! Putain, mais c'est pas là! Faut aller au-dessus. Surtout que chez nous, chez le sorcier, ça a changé. Ah, mais du coup, alors, par contre, je sais pas si c'est pareil avec la. Si vous êtes sur la version Expanded. Je sais pas si c'est pareil, parce que c'est quelque chose qui a été rajouté dans la 1.6, donc. Je saurais pas vous dire. Oh non. Oh! Putain, s'il était là. Ah, l'enfoiré. Thank you.
Allez! Faudrait qu'on pense aussi à améliorer notre épée. Ramener des tessons prismatiques pour faire les petits enchantements. Merde. Bon, ils étaient bien chiants les deux premiers niveaux. Et j'ai encore pas pris les diamants à échanger aux nains. Bon, en même temps, il est 19h. On trace. Oula, 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 oula. Bon, après, ça peut faire plein d'éclats de braise à récupérer, ça. Allez, ramenez-vous tous, là. Vous me faites pas peur. Merde. Coffre. Oh la vache. Viens aussi toi au-dessus là. Viens t'amuser avec nous. Oh la vache. Oh, ça va, heureusement qu'elle nous soigne. Donc, il va peut-être y avoir des dents de dragon. J'en vois pas. Par contre, il y a une pierre à géode. Vache saleté. Ok, il y a un petit coffre. Allez, casse-toi. Je sais pas si on va... Oh non. Cool, une dague de nain. Arrête d'arroser cette pierre, voyons. On n'a pas nos diamants. Contre... Ouais. Je sais pas si j'arriverai à aller au dernier niveau là. On est tombé sur des niveaux un peu chiants. Enfin des étages un peu chiants. Ça a l'air de continuer. Qu'est-ce que c'est que cet étage? Ah non, ça va. Ça va, ça va. Tant pis un peu. Putain, il y en a plein partout en plus. Peut-être privilégier le fait d'aller d'aller tout en haut. Tant pis pour le pour tout ce qu'on pourrait récupérer. On va aller récupérer le coffre, nous. Ah putain, tu vas me faire perdre du temps, toi. Parfait. Le coup critique qui est le bienvenu. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas d'interrupteur ici. J'en ai pas vu. Merde. Ta-da-da. Non, y a pas d'interrupteur, parfait. On est à l'étage 9. Faut se manier, superbe. Ah merde, du coup, bon, c'est pas grave. Oh, puis c'est pas un maxi coffre en plus. Faut mourir, hein, bon, merci. C'est pas le maxi coffre. C'est minuit 10. Puis j'ai pas pris de totem. Ça vaut le coup au moins. C'est de la merde. C'est dit, c'est clair, net et précis. Du coup, on est jusqu'ici pour pas grand chose au final. Parce que j'arriverai pas à rentrer chez moi. Pas à temps en tout cas.
s'évanouir. J'aurais pu prendre une tente sur moi, j'aurais pu dormir, ça m'aurait évité bien des problèmes. Après, on a le boost de vitesse. Alors peut-être. Ah, ça peut le faire. 1h40. Ouais, non, ça va le faire. On va pouvoir aller se coucher. Ça va être juste, juste, mais ça va passer. Heureusement qu'on a redescendu notre lit, par contre. Allez, niveau timing, on était bon. 35 000 balles. Allez, nouvelle journée. Du coup, je pense qu'on va pas, perdre plus de temps. On va directement tracer. Hop. Et on va aller se faire le volcan. J'ai terminé mon roman. Oui, très bien, si tu veux. Putain, j'ai plus de place. Est-ce que j'ai pas de la place pour planter un peu d'ananas? Hop. Voilà. Le reste, on est bon. Oh, tous ces piments, là. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ça? Oh putain, il veut du homard. Je peux pas. Tac, 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 tac. Est-ce que je l'ai déjà donné ça? Je crois que oui. Où sont-elles? Allez, on trace. Du coup, je vais peut-être prendre un totem quand même. Ah, j'en avais pas ramené ici. Bien dommage. Bah écoutez, tant pis. Est-ce que... Bah non, j'ai rien pour améliorer. Je pourrais combiner des bagues, mais j'ai pas... Après, c'est une journée de chance. Est-ce que j'irai pas chercher ma deuxième bague de chance aujourd'hui? Allez, vous savez quoi? On va aller récupérer notre bague de chance aujourd'hui. Après, à la limite, je vais quand même garder ça. Si jamais on la récupère rapidement. Du coup, je vais prendre ça avec moi aussi. Bon, ça va pas être le plus passionnant. Mais disons que là, on pourrait récupérer une bague de chance. La combiner avec la bague du cambrioleur. Comme ça, on aurait quasiment la chance au max avec nous. Dégagez tout ça. Merde. Prêtez attention au bruit. Bon, moi j'entends rien du tout. Bon, il y a eu le bruit quand on est arrivé. Je suis pas sûr. C'est un nom. Faudra être patient. Où est-il? Il a disparu avant que j'arrive, il est pas resté longtemps celui-là.
Je sais pas si ça va changer grand chose si je fais ça. On va voir. Je suis pas sûr, hein, mais tant pis. Alors, j'avais pas souvenir que c'était aussi long. Ah, cette partie là. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de compliqué à récupérer la bague porte-bonheur? Oui, la vitesse à laquelle ça va. Alors je sais pas si ça a changé quelque chose hein, qu'on ait pris. Putain par contre, on a rempli notre inventaire. J'ai pas des trucs à te donner toi. Parce que là j'ai vu que j'ai récupéré plein de trucs. Non. Ok. Bon, on pourra faire de la place si besoin. Allez, on trace. Il est 11h. Hop. Alors attendez. Réorganiser mon inventaire. Un peu n'importe comment. Je sais pas pourquoi je m'entête à vouloir les buter. Oh putain, il y en a deux! Merde! Allez, let's go. Par contre, là, on peut récupérer un petit peu tout ce qui est. Pourquoi je viens par là? C'est la merde cet endroit, non? On peut récupérer tout ce qui est. Comment ça s'appelle? Fragment d'étoile? Non, éclat de braise. Ok, c'est le pire endroit où on pouvait passer. Il y a de la caillasse de partout. Il faut mourir. Hein. Ça par contre on va prendre. Du coup ça on s'en fout. Hop. Fort dur. Non, c'est lui que je veux buter. Oh, mon inventaire était plein, du coup je l'ai pas récupéré. De la place tout de suite. Bon, après le reste, c'est ça. Après tout ce qui est ça avec Marine et tout ça, je m'en tape maintenant. Ah, on aura un coffre ici, non? Bon. Tapez-moi. C'est pas grave, je vous en veux pas. Génial ce passage là. S'il y a un coffre de l'autre côté. Donc il y a aucun interrupteur qui fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Ah, si on a ouvert là-bas. On va quand même aller regarder ce qu'il y a dans le coffre. Putain, mais comment j'ouvre ici? Ah putain, faut aller ouvrir celui-là à mon avis. Pas pris, bah j'avais pas de diamant en même temps ici. Merde. Okay. C'était bien cela. Alors est-ce qu'on va être ravi d'être venu jusqu'ici pour ouvrir ce coffre? Ouais, ils nous ont donné la lame du nain pourrie là. Un moment. Merci. Par contre, t'aurais pu me donner un éclat de braise quand même. T'abuses.
Oui, ok, donc ça on connaît. Attention. Laissez passer. Laissez passer. Ok, là il y a des trucs à aller récupérer. Il y a du monde. La fée, tu... Oui, j'allais dire quand tu veux, tu me redonnes de la vie. Encore un journal, encore un journal. Habile, ouais, donc ça c'est tout ce qui est pour les enchantements. C'était quoi ça? Ah bah du coup c'est la... ça nous dit pour la sorcière, pour la sorcière, pour la sirène. Rien d'autre par là. Où est la... Bah putain, je suis devant. C'est de tracer. Regardez s'il n'y a pas des trucs. Il y a un interrupteur ici. C'était pas le... C'est pas le sol. Je pouvais pas le taper. On va boire notre café pour courir un peu plus vite. Et quand tu veux, viens ici. Donc là-bas. Petit champignon, on va aller le chercher. Pas de place. Ouais non, j'en aurais plus besoin de ça. Merde. Je sais pas pourquoi, à mon avis, mon inventaire, je le place pas comme il faut. Je place pas mes objets comme il faut dans mon inventaire. Putain, mais non, mais ça va pas là. Il est où le dernier interrupteur? Évidemment, il va être là-bas. Oui, il est là-bas. Bien bien chiant. Pas celui-là. Voilà. Putain, par où on était pas? Enfin, par là. On a fait que la moitié, hein. On va remplir ça. Non, mis à part ça, on peut rien échanger. On s'en fout, je vais pas acheter un ruban rose à 10 000 balles en plus. C'est un peu fou. Eux, ils sont chiants. Voilà, et en plus, ça nous donne même pas d'éclat de braise. Ça me révolte. Comme si on devait encore se manier. Je me suis mal placé. Il y a le slime qui va nous faire chier en plus. Pas vrai de voir ça. Faudrait qu'on tape plus fort, non? Parce que là, c'est un peu long. Non, on va aller par là. Ouais. Je crois qu'il nous a pas brûlé. Allez, viens! Voilà, tout ça pour nous rien nous donner en plus. Allez, un coffre rare. Non, c'est faux, c'est de la merde. Très bien, allez, on trace. Bon. Qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur de cet endroit, vous?
Bon, des éclats de braise. Allez, 3. Yonk. Allez, on s'en fout. Bon, ça va. Ce sera plutôt bien sorti. Alors, du coup, alors, je pourrais... Ah, si, je pourrais utiliser ça sur mon épée. Le rubis. Je vais déjà... Merde. Hop, la bague du cambrioleur. Et la bague porte-bonheur. Bien évidemment, on dit oui. Ensuite, on va utiliser ça sur notre épée. Hop, ça nous fera un peu plus de dégâts. Dommage qu'on n'en avait pas, d'autres. Du coup, très bien. Et il nous faudra, bah, du coup, il faudrait qu'on revienne la prochaine fois avec ce qu'on a en tesson prismatique. Tu veux pas sortir de là ? Donc ouais, qu'on récupère tesson prismatique, on peut ramener des rubis. Du coup, attendez, je vais aller voir, ça se trouve j'en ai des rubis ici. Et comme j'ai débloqué le dernier étage, on va pouvoir y retourner direct. On va voir. Alors, est-ce qu'on a des rubis? Non, pas de rubis. On dépose tout ça. Du coup ça, je vais laisser ça là, ça là, je vais en laisser un peu ici aussi, tac tac, du coup diamant, cristal de terre, jade, bon mis à part jade que je peux ramener, après je vais ramener tout ce qui est trucs comme ça, les poissons de toute façon je m'en fous, piment, machin on s'en fout. Les trucs qu'il faut que je laisse ici quand même. Ça on peut prendre. Du coup là dedans, qu'est-ce qu'on peut ramener? Gingembre. Bah gingembre je vais les prendre, mais il faut absolument pas que je les utilise. Ça on peut prendre, ça on peut prendre. Je vais prendre également mes outils. Charbon et pierre. Voilà, je pense qu'on est pas mal. J'ai un truc de tarot à planter. Hop. À la limite, je peux voir si on n'a pas des... Ah, mais je peux aller récupérer ça. Voilà, j'allais dire récupérer une noix de coco dorée, peut-être. C'est où? Je sais plus où c'est. Allez. Ah, c'était là. C'est une perle. Que vous voulez que j'en fasse. On va faire ça. Ah mais oui, attendez, j'ai des trucs à trouver ici là. Oh non. Putain, il est minuit. Du coup, je serais bien rentré à la maison moi aujourd'hui. Ok, bon, du coup, je vais déposer les noix de coco ici et on va retourner à la maison. Comme ça, la journée de demain, on pourra... Alors, ah si, il y avait l'autre qui vendait ses livres. Tac. Et le reste, on l'a dit, on s'en fout. Allez, on retourne à la maison. On a les jades à récupérer. Parfait, parce que demain, c'est échange de jade contre les escaliers. Là on en récupère combien? 42 à chaque fois. C'est pas mal. Pas mal du tout même. Est-ce que j'avais des trucs à ramener au désert? Donc déjà, j'ai ça que je pourrais ramener sur les îles gingembre. Ça on l'a dit on n'ouvre pas. Ça on peut aller ouvrir demain. Tac. Cristal de terre, je peux reposer. Du coup. Ça, ça dégage là-dedans. Les coquillages, ça dégage.
Hop. Du coup, ça c'est bon. Je crois que je peux. Alors non, attendez, les omnigéodes. Pourquoi je vais dans ce coffre? Les omnigéodes, on avait dit, on va les laisser là et on échangera contre des trésors d'artefacts. Donc j'en échangerai quand j'aurai un peu plus. Ici, je vais déposer ceci. Champignons, ça on s'en fout. Eh bien, bah du coup, c'est bon. Allez. Let's go! Ok, le libraire est en ville aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir, le libraire? Hop, la reine des sauces, salade de fruits, joli, joli, joli. Est-ce qu'on a un cadeau? Oh, je vais pas t'offrir un champignon comme ça. Attends, je vais te récupérer un fruit ancien de qualité or. Voilà. Comme ça, au moins, il sert à quelque chose. Elle est ravie du cadeau qu'on lui fait. Du coup, tac. Non, je voulais boire mon café. Mais c'est pas grave. Ça, on est gâché à l'intérieur. Du coup, alors faut que je garde des œufs. À la limite, je vais. Ah, je vais. Non, arrête, je vais tout garder. De tracer qui a une pâte en iridium. Je pense pas que j'ai besoin d'autres canards. J'ai un doute. Tant pis, j'en garde deux. Je suis pas certain que j'ai besoin d'autres canards pour les recettes. Autre dinosaure, c'est sûr que non. Lait de chèvre, non. Par contre, fromage de chèvre, j'en ai peut-être besoin du fromage de chèvre. Pour je ne sais pas quelle recette, mais. Je suis pas sûr. Là, comme ça, je dirais que non, en fait. Je crois que j'ai pas besoin de fromage de chèvre. Fromage, j'en ai besoin. Putain, les truffes. Faudrait qu'on améliore notre poulailler, là. Bon, le lait, on garde. Fromage aussi, parce que je vais sûrement en avoir besoin. Ah merde, inventaire plein. J'ai besoin de quoi, t'as dit? Du fromage de chèvre? Je n'ai plus alors. Je sais pas pour quelle recette alors. Pour une pizza ou une connerie comme ça? Pizza chèvre miel? Ah! Oh non, et puis j'ai pas de. Encore besoin de déposer quelque chose. Tac. On va pas reprendre les œufs. Qu'est-ce qu'on va laisser ici? Tiens. Ok, bon, je vais aller déposer tout ça du coup dans le frigo. J'ai déjà. Maintenant, est-ce que j'ai des trucs que je vais pouvoir revendre? Quoi j'ai besoin du coup. Écoutez, tant que j'ai des trucs sur moi. Ah mais j'ai pas beaucoup de place. Je déposais tout ça. Ah j'ai les œufs du vide que j'ai eu. J'ai n'importe quoi. Alors, œufs sur le plat,
Bim. Omelette. Bim. Gratin de chou-fleur. Bim. Bim. Je vais pas dire bim à chaque fois, ça va être chiant, blanc. Pancake. Poivron farci. Gâteau au chocolat. Gâteau rose. Des cookies. Ça, on a dit, on va attendre. Pourquoi j'ai déjà fabriqué des makis? Riz au lait, la glace, la tarte aux myrtilles, soupe à la citrouille, déjeuner du fermier, friandise de mineur, tarte à la citrouille, trempette d'artichaut et je crois que j'ai plus de place. Chocolat, ok. Alors on a été où? Ok, tout ça on a fait. Salade de fruits, bim. Bisque de homard. Et du coup on n'est pas trop mal là en termes de recettes, non? Après du coup là, bon là il me manque de l'amarante, là il me manque chou rouge, thon. Ah bah il y a du thon. Ah mais du coup à mon avis c'est ça que j'ai utilisé pour le faire le sashimi. Chou rouge. Ouais, chou rouge, j'en ai besoin de pas mal. Hein. Mayo et fromage ordinaire. Alors, c'était pourquoi la mayo, du coup? J'ai pas fait attention. Peut-être que c'est une recette que j'ai pas encore. Ah, là, il nous faudrait du sirop d'érable. Canneberge. Putain, mais canneberge, j'en ai pas. Palourdes, tomates, racines d'hiver. Putain, en fait, il y a des trucs qu'il faudrait que je ramène là. Je sais pas si j'ai besoin de miel, vas-y. C'est quoi que j'ai dit qu'il me fallait ici? Ça. Ok, donc on a dit palourdes, racines d'hiver. Mais du coup, canneberge, c'est bizarre que j'en ai pas. Bah, du coup, je vais aller en acheter chez Pierre aujourd'hui. Attendez, parce que je sais plus ce que c'était. Ça. Pas lourde. Bah, après, on refera. Ah, il me faut tout. Ah, bah oui, le café, mais j'en ai du café. Igname. Canneberge et du pain. Okay, omelette, ça en a fait. Ah, on a plutôt bien avancé, je trouve. Le gâteau à l'érable. Encore des canneberges, chou rouge. Tomate, ça en a fait. Ah oui, mayonnaise du vide pour le petit pain étrange. Ok. Voilà, celui-là, il est chiant, celui-là. Galette de pommes de terre, pancake, œuf sur le plat, plus du lait. J'ai pas déjà fait ça? Alors, galette de pommes de terre, pancake et œuf sur le plat. Œuf sur le plat, pancake. Galette de pommes de terre, c'est où ça? Est-ce que je l'ai fait au moins? Galette de pommes de terre. Je vais prendre le café. Sauf que j'en ai peut-être pas. Je crois pas que je l'ai. Non. Alors comment on fait galette de pommes de terre? Pourquoi j'ai pas pu le faire? Peut-être pas débloqué. Ah bah si, il est là. Total cuisiné 1. Bah où est-il? C'est ça? Bah non. Bah je sais pas où il est. Je vais en refaire un. Hop. Et on peut faire un petit déjeuner complet.
Là, ouais, tomates, thon, tortilla, amarante. Bon, écoutez, on sera déjà bien avec tout ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bim, 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 bim. Salade de fruits. J'ai pas fait le triple shot expresso. Voilà. Du coup, bah, je vais redéposer. Ami, je vais redéposer le café à l'intérieur. Ah, mais putain, mais j'ai plus de place. Plus de place nulle part. Bon, je pense que la pêche, je devrais plus en avoir besoin. Alors, attendez. Je vais redéposer. Alors, attendez, je vais refaire. Faire les choses correctement. Les œufs. Je vais en laisser là, je pense que j'en aurai encore besoin. Je vais déposer du lait. Fromage de chèvre, pas lourd. Je sais plus de quoi j'ai besoin. On va laisser ça ici. Tu m'as dit mayonnaise, ça, ça. Mayonnaise de canard, je pense pas. Tant pis, je vais laisser les abricots ici. Et fromage. Voilà. Écoutez, je vais laisser ça ici et on verra bien plus tard. Allez, racines d'hiver. J'en aurais peut-être besoin. Ça m'étonnerait, mais au cas où. Du coup, les recettes. Hop. Voilà. Je vais quand même reprendre mon bordel. Et pour aujourd'hui, je ne vous embête plus avec la cuisine. On va revendre. Ah putain, j'ai ça. Trempette d'artichaut. Quel goût ça peut avoir, ça. C'est frais et rafraîchissant. Ça me donne pas spécialement envie, moi, personnellement. Trempette d'artichaut. Je t'en foutrais de la trempette d'artichaut. Allez, le lait. Évidemment, j'avais foutu le lait de chèvre là-dedans. Voilà. Allez, je vous embête plus. On va filer au désert. Ensuite, on va chez Clint. Ou on va chez Clint et on va au désert. On s'en fout. Non, on est juste devant pour aller au désert. On va y aller. Hop. Alors, on venait échanger nos escaliers. Priorité. Ok. Prendre ça. J'ai des pattes de lapin, à la limite, je vais aller voir Sandy. Pas avec Sandy. Ouais, on n'avance pas avec grand monde, faut dire. Du coup, je vais en laisser 3 quand même. Je vais en laisser 3, je vais en prendre 5 et on va essayer de récupérer des trucs sympas sur nos armes. Après, je sais pas si j'aurai assez d'éclats de braise. Oui, on a dit on va voir Sandy. Faisons attention de ne pas lui donner un tesson prismatique. Hein. Je n'ai rien contre Sandy, hein, mais peut-être pas exagérer non plus. Allez, Clint, on compte sur toi. Allez, on commence par ça. Ouais, non. Ouais, non. Très bien.
Ça, du coup, on l'a pas donné. Putain, évidemment, il fallait qu'il nous donne des bananes. Des bananes, des mangues, de l'iridium. Graines d'ananas. Feuilles d'érable. Oui, de cajou. Encore un bananier! Non, mais sérieux! Clint, t'abuses! Anus. Et je vais faire un petit tour aussi pour voir les raccoons si ça a avancé ou pas. Bah du coup, ouais mais t'es chiant là. Ah non, si t'es relou là Clint. Ah non. Je vais aller planter du coup les deux arbres à l'intérieur de notre serre. Si ça veut bien le laisser passer. Ah putain, mais on a ça, faut qu'on aille s'en occuper. Tac. Où sont les bananiers? Voilà. Ah, attendez, les baies sucrées. Alors je sais que j'en ai. Pourquoi j'ai voulu en planter autant? Je sais pas du tout. Putain, puis je peux reprendre un seigneur qu'on va venir placer ici. Est-ce que c'était une bonne idée vraiment de placer les arbres aussi loin? Parce que du coup, je vois pas quand c'est terminé. Ok. Putain, il est 13h. Putain, il va falloir que je me manie. On va encore se faire avoir avec le temps, vous allez voir. On va lui donner celle-là. Putain, j'ai pas déposé les escaliers au. Ah, chiant. Ok, bon, je vais aller placer le seigneur. À mon avis, j'aurai pas le temps de retourner sur les îles gingembre aujourd'hui. Ça me paraît compliqué. Au pire, c'est pas grave. Ah! On n'ira pas sur les îles gingembre aujourd'hui. Champignons. Champignons violets et 5 carottes des cavernes. Allons bon. Champignons violets. Est-ce que j'en ai 5? Je suis pas sûr que j'en ai 5. Oh non, on fait chier. Je suis pas sûr que j'en ai 5. Après, je sais que j'en ai gardé à certains endroits, hein, mais. Je crois que je m'en sers pour avoir de la bouffe. Putain, de tout ce qu'il aurait pu me demander. Il fallait qu'il me demande de ça. Oh, il abuse, il abuse, il abuse, il abuse, il abuse. Après, je peux retourner au désert voir. Parce que là, j'ai rien. Du coup, on va prendre ça. Je voulais prendre autre chose. Ça. Comme ça, je peux redéposer les escaliers. Eh mais je crois qu'en plus il faut. Là par contre il faut 5 champignons de la même rareté. Ça va être chiant. Comment. Ah si, je sais comment on pourrait faire. Faudrait qu'on fasse le tronc là. Il est où? Je sais plus où est-ce qu'il est. Et là. Bois dur et mousse. Non. Bois dur et mousse. Pour faire des champignons. Oh, j'en ai même pas. J'ai même pas de champignons violets. Très bien. Tac. Du coup, le déjeuner chanceux. Ouais.
limite, c'est peut-être mieux de prendre ça pour avoir plus 3 de chance quand on descend. Parce que ça nous donne de la vitesse, mais... Je vais en prendre un peu avec moi de ça. Bah ouais, du coup, j'ai pas de champignons. Bah tant pis. Par contre, je sais pas comment ça fonctionne les troncs. Je crois qu'il faut les pincer. Enfin, je crois c'est il faut les placer là où il y a des arbres. Mais je sais qu'il y a certains arbres où c'est plus intéressant de les placer devant que d'autres. Je sais pas lesquels. Là est tout le problème. Est-ce qu'on a... Ah, j'ai pas beaucoup de pierres. Parce que de la mousse, je crois qu'il m'en faudra 333. Fabriquer quelques-uns. Tac, tac. Du coup... Ah oui, c'est quand même violent la zone. Bah écoutez, je sais pas si ça va être utile, mais je vais foutre ça par ici. Je vais mettre ça entre les deux, là. Voilà. On verra bien, et après j'ai plein d'arbres... Enfin, plein. J'ai plusieurs arbres ici. Après, ça doit être pas mal, je pense, pour les arbres comme ça, les acajou, non? Ouais. Je suis en train de placer ça n'importe comment. Voilà. Écoutez, ça sera comme ça, et puis c'est tout. Du coup, j'aurais pu lui emmener les carottes des sables. On va aller emmener la baie sucrée. Surjon, carte de minuit. Lingot, iridium. De l'ail, de l'igname. Ouais. Tac. Qu'est-ce que c'est qui me bloque devant? Très bien. Encore une fois, pourquoi mon inventaire est rangé comme ça? Pas comme il est rangé. Ouh, le parchemin des nains. Sors d'où toi? Où est-ce qu'elle est? Hop là! Et une nouvelle. Et un nouveau fruit étoilé, pardon. Tu augmentes notre barre d'énergie. Ça vous rappelle animaux. Tant qu'à faire, on récupère du bois dur. Évidemment, c'est maintenant que j'ai plus spécialement besoin de graines d'acajou qui m'en donnent plein. Toujours comme ça, de toute façon. Vous allez demander des objets, on va pas vous en donner. Et à partir du moment où vous en aurez plus spécialement besoin, bah c'est là que vous allez tomber dessus. Pam 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 pam. Il faudrait qu'on récupère de la pierre. Enfin, là, ça commence à devenir un peu le bordel hein, sur ma ferme. Après, comme j'ai dit, je m'en fous maintenant de tout ça. Histoire de dire, vas-y, on va récupérer. Ah oui, j'ai plus de place sur moi. Ah bien. Bah tant pis. Ça va rester au sol. C'est quand même dommage hein. Tout cet argent qui dort, qui pourrait être récupéré, bah non.
Tac. Putain, évidemment, du coup, j'ai récupéré toutes les merdes. Ah, mais je suis pas dans le bon coffre. Je me disais, c'est pas normal. Bon, ça, du coup, on peut jeter. Le reste, de toute façon, j'en aurais besoin. Allez, vas-y, je récupère tout ça. Faites de la peine. Goudron de pain, c'était pourquoi que j'en avais besoin? C'était pour un craft? C'était le métier à tisser. Ouais. Pourquoi j'ai ça sur moi? J'ai oublié de le poser. Je me déteste. Ça va pas m'emmerder. Et eh ben écoutez, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus de ma journée là? Qu'est-ce qu'on a au programme des prochains jours? Ah, je suis même pas allé le voir. Je sais pas si on peut, si on peut encore aller lui dire bonjour. Parce qu'à la limite, s'il a le truc pour toutes les recettes, au moins j'ai plus à m'embêter à les regarder à la télé. Acheter des livres. Ouais, non, c'est toujours les... C'est toujours les trucs pas ouf. Par contre... Ah putain, je suis con. J'aurais dû te ramener mes bouquins. Enfin, par contre, je sais pas c'est lesquels que j'ai. Ça ressemble à ça, celui que j'ai. Ouais, trésor ancien. Bah, de l'anguille épicée. Flemme. Hein. Flemme, flemme, flemme. Au cinéma? C'est fermé, non? Ah. On s'en fout. J'ai pas envie d'inviter quiconque au cinéma. Arrêt de bus. On va aller à la carrière, tiens. Peut-être des trucs à récupérer. Attendez, c'était quoi? C'était ça et du fer? Est-ce qu'il y a du fer quelque part? Bon, après, il n'y a pas grand-chose en vrai. Bon. Ça vaut pas le coup d'utiliser des bombes. Non, je vais pas retourner en ville. Bon bah écoutez, je pense qu'on va aller, je pense qu'on va aller se pioter. Qu'est-ce que vous en dites? Attendez, je voulais regarder un truc d'abord. Ouais, bah écoutez, je pense que je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Je sais pas si on a d'autres trucs à aller récupérer sur notre ferme, je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Récupérer un petit peu d'argent. Ça, on n'avait pas. Ouais, on n'avait pas mis grand chose. Je sais qu'il veut dormir. Je veux juste récupérer les pots. C'est tout ce qui m'intéresse. Ah, du coup, par contre, est-ce que ça avance l'amitié avec les. C'est pas fou, hein. Pourtant, vous pouvez aller manger de la bonne herbe bleue. Pourquoi celui-là il a zéro cœur? Attendez, mais il est bugué quelque part qu'il a zéro cœur? Ben non, je lui ai dit bonjour. C'est étrange.
vraiment très étrange. Bon, les moutons, ça avance un petit peu, c'est à 3 cœurs. Bon, pas tous, mais... C'est bizarre, hein, l'histoire du canard. Le canard a un cœur. Enfin, à 0 même. Bon, les vaches, ça ne bouge pas. Ici. On avait plus de truffes en stock. Finalement, il arrête pas de pleuvoir. Pauvre cochon. Bon, vous, ok. Et vous, continuez de produire de la laine. Et quasiment tous, ils me donnent deux tissus à chaque fois. Peut-être que quand c'est de la laine de bonne qualité, ça nous donne du tissu en double. Tant mieux. De ça ici. Attendez, je crois que j'avais besoin de ça pour une des recettes. Le reste, on est bon. Parfait. On va déposer ça ici. On reprend les rubis. Ah Mitch, si je pourrais aller faire un... On est dimanche, je peux aller faire un cadeau au nain. Il dort pas le nain. Ça dort pas un nain. Je vais aller lui offrir un cadeau. J'ai envie d'aller faire un cadeau au nain. Il nous reste un peu de temps. Tiens l'ami. Ah oui, je sais que t'adores ça. Ah et du coup, attendez, je vais faire un autre truc. Je vais aller récupérer 10 diamants dans mon coffre. Comme ça, quand on retourne sur les îles gingembre, on pourrait échanger contre le manuel du nain. Ce sera une chose de en moins à faire. Là. Hop. Alors je sais plus c'était quelle recette par contre. Ah c'était le petit pain étrange. Ok. Merde. Alors du coup, attendez, on va faire autrement. On va regarder comme ça. Recette. Zinnia bleu. Ah. Donc là il me faudra tomates. Alors zinnia bleu, betterave, tomates, clade amarante, chou rouge, tomate, ouais, il faut pas mal de tomates. Hein. Poisson quelconque, ok, chou rouge, tomate, radis. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que j'aille acheter des canneberges. Putain, je vais complètement oublier avant la prochaine fois. Ouais, canneberges, il en faut plusieurs recettes. Hein. Pour ma tomate. Et encore de la tomate. Et de la mousse pour faire de la soupe de mousse végétale. C'est combien? 20? Il nous fallait de la zinnia bleue. Ah, c'est-à-dire, ne me dites pas que j'en ai pas parce que... Mais par contre, le fait que j'ai pas de canneberge, ça me perturbe. Vraiment. Je veux. Mais. Pourquoi je peux pas grimper? Voilà. Alors on a dit. Attendez, parce que du coup je sais plus où est-ce que c'était. Putain, ça se fout de ma gueule, il est où le truc avec la zinnia bleue? J'avais peut-être pas l'autre. J'avais peut-être pas l'autre ingrédient. C'est fou ça, c'est où? Je suis peut-être passé dessus. Ah non, mais je suis passé dessus. Je suis passé dessus, je l'ai pas vu.
Et c'est où? Zinnia bleu. Bon, j'ai rêvé. Attendez. Zinnia bleu, c'est où? Ça fait 15 fois que je dois passer dessus. Rhubarbe. Putain, c'est grave. Ah, c'est là. Désolé, chanceux. Ah, il me faut une tortilla. Elle est où la tortilla? J'ai mis là. Parfait. À la soupe, petit chat. Ça en dépose. Bon, bah ça, je vais garder avec moi. Et du coup, le reste, on est bon. Je pense que j'ai pas besoin de... Allez, et bah au dodo. Non, pas au dodo. Bonjour le chat. Au revoir le chat. Et au dodo cette fois. Voilà, ça me parle. 82 000 balles. C'est toujours pas assez hein, pour acheter quelconque obélisque. Enfin si, il y en a à 500 000, mais on va pas acheter des obélisques à 500 000. On va privilégier, je pense, en priorité l'obélisque des îles Fougères, des îles Gingembre. Bref, eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Du coup, bon, on a avancé un peu pour le 100%. Je vous ai un peu embêté avec tout ce qui était recettes, mais malheureusement, il faut que je m'en occupe. Malheureusement, j'ai pas trop le choix. Donc, on a fait ça, on a échangé nos escaliers, on a été refaire un petit peu un tour du côté des îles Gingembre dans le volcan. On a récupéré quelques noix dorées, mais il nous en manque encore pas mal. Je crois qu'il nous en manquait, pardon, une bonne vingtaine avant de pouvoir accéder au défi de Ki. Donc il y a encore du boulot, beaucoup de boulot à faire. Bref, et bien du coup, merci à ceux qui sont passés sur ce live, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, passez une bonne fin de journée, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!